بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. Messieurs les formateurs, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cet atelier d'écriture, un événement qui plaît et qui mobilise parce qu'il touche le cœur et l'esprit de chacun. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier M. Aboubakar Ben Saïd Salim qui nous a accordé cette chance de venir chez nous à Wani, nous apporter un appui afin de permettre à nos jeunes talents de s'éclore. Permettez-moi encore de vous avouer que je suis particulièrement fier de voir des jeunes comme vous s'engager dans la vie de notre chère ville. On décèle en vous l'envie de s'investir. Vous le savez, depuis des années, nous faisons en sorte de développer l'éducation à Wani. Un combat qui n'est pas facile, mais l'événement d'aujourd'hui va permettre à moyen terme l'éclosion des élites. Sur ce, permettez-moi dès maintenant de remercier toutes celles et ceux et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. C'est une première à Wani et je pense qu'elle ne sera pas la dernière. Ma conviction est claire. Favoriser les bons comportements des gens fait partie des premières missions des écrivains. Mesdames, Messieurs, à ma qualité de maire de la ville de Wani, je vous dis que vous vous inscrivez dans la lignée des bâtisseurs, de ceux qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice de Wani. Wani qui était autrefois considéré comme le berceau de l'intelligentsia comorienne. Ce n'est pas à moi de vous le rappeler, mais dans son œuvre, qu'est-ce que la littérature Sartre a attribué à l'écrivain la tâche de vrai pour améliorer la condition de vie des gens. Durant ces deux jours de formation, vous qui êtes déjà passionné de lecture, de l'écriture, vous allez bénéficier des expériences, vous allez, je le crois, comprendre qu'un écrivain, avec son arme lexicale, peut changer la vie des gens en les faisant prendre conscience dans le domaine du développement ou en les faisant modifier les habitudes. J'allais dire les mauvaises habitudes. En cela, vous devenez des citoyens actifs qui participent à l'édification de la société. Sachez que si nous sommes tous spectateurs de notre propre vie, nous n'avancerions jamais. C'est ainsi que nous bâtirons Wani du demain avec toutes vos bonnes volontés. Mesdames, Messieurs, avant de terminer mon propos, je tiens à présenter des hommages mérités
à M. Ibrahim Benomar Hamza, puisqu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Awadi, personne ne peut nier les efforts inlassables qu'il déploie pour la réalisation de cette activité. Mes sincères remerciements vont à l'endroit de Madame la commissaire en charge de la santé, Madame Asiati Abdallah, à M. le député Andoudou, à M. Badar Abdallah, à M. Kombo, à M. Mohamed Mouidine, à l'association Mahatania, à tous les membres de l'association APEBO, à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de cet atelier. Je serais injuste si je laisse la parole sans vous remercier, vous les participants, sans qui cet atelier n'aurait pas lieu. Je vous souhaite de belles émotions et vous remercie pour votre attention. Malheureusement, à un moment donné de notre vie commune là-bas, à Jaffa et Chamouane.
comme j'ai une rapatrie pour moi, Achat, et il a repris ses études à partir d'ici. Et il les a terminées heureusement à la Réunion. Donc, sans jamais y aller, donc à partir d'ici. C'est pour vous dire, en battant, on veut, quelquefois, fait souvent, on peut. Donc, c'est un exemple de courage. Tout à son à Babalé, en allant quelques difficultés à un moment donné, à s'abandonner, comme lui, il s'intéressait à ses études, malgré le problème de santé. En tout cas, après, il n'a pas à continuer. Elle est aujourd'hui parmi les quatre du pays dans son domaine et même dans d'autres domaines, puisque au niveau du journalisme, elle relate souvent des faits, quand on est en point aux quatre essentiels. Enfin, elle a remarqué assez intéressante. Donc, et l'absence de ce que je c'est que, ouais, voilà, je vous rejoins dans la malle, je vous défie parce que je suis arrivé à la rejoindre. Donc, à sommet, ça va, je pendant un temps, très court, mais depuis le lycée, quand je vous rejoins, je me vois si on a, parce que moi, je suis dans le bien, voilà, alors, je vous en tout cas, c'est un ami comorien, c'est un ami en journée, c'est un ami de Wani. Donc, je vous rejoins, je vous rejoins, je vous rejoins, je très ouvert, à tout moment, ils sont contactés, ils ne sont pas disponibles. C'est sûr, on va aller dans la situation personnelle depuis longtemps, mais je pense qu'on va aller, il y a envoyé au pire, quand on va dire, il y a envoyé au juillet après, vous voyez où la facilité, c'est tout cela. Donc, tu me sollicites, on va aller, c'est qu'à sûr, on va maintenant solliciter, tu n'as pas de problème. Avec la disponibilité, tu vas aller avec plaisir. C'est ainsi que malgré son programme très chargé, Aspacha, comme on l'a vu à Tchad, pour la commission, mais je l'ai libéré pour l'abs. J'ai initié Tchogoyini, dont l'objectif stratégique, c'est l'émergence, gagner à m'initier sur le problème de l'édition, sur le problème de l'habitude, et puis par la suite, peut-être l'événement du Maya pour y pérenniser sous d'autres formes. Et quand sollicité, Abané, on a l'expression française, dès qu'il a fait Abané à la fin, quand il a Abané sur un spectacle, il a intégré toutes les expressions littéraires arabes, françaises et comoriennes. Parce que, entre autres, il y a les mains, le calfin a un travail de tradition orale à collecter et objectifier. Car, dès le départ, ça fait une édition arabe, français, comorienne. Mais après, il y a le boulot du Michio, qui a disparu, c'est le même. Bref, donc, l'objectif est à devenir, ça a initié à la partie de maintenant et pour l'avenir. Intéresser les jeunes à l'écriture, mais à l'écriture d'expression française, puisque les collègues, comoriennes, le délagiato, arabe, lui aussi c'est la langue officielle. Donc c'est ce que la manière pour les années à venir, ils sont initiés, ils langues arabes, les expressions arabes. Voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à vous. Bravo, je vous souhaite un bon atelier. Tout ce n'est pas parce que c'est une réunion technique. Peut-être que je voudrais tout l'intérêt à vous aider. Je suis un peu plus de temps.
les banes outils à tout les banes offrent à qui la manette à mon comori à canoubouli à la fille à jouer à tanké à maman tichi à ou à ma maladie à maman tichi mana sina yaki bas inti du quoi vous a Voici comment il y a un changement. Donc, il y a 89, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de la littérature écrite, française notamment. Les aboutissements ou Jafar Wawajaou, Guinana Wangina, Mamoun, Salia, dans le lycée, dans le collège. Mais mon anecdote, je suis allé à la maison. Il y a un courage, il y a un courage, il y a un courage, il y a résisté. Il y a un courage, il y a un courage, il y a un courage. Donc j'ai créé sympathie. D'ailleurs, moi, je suis la graine. Or, ce parent, il est passager avant. Il y a une vocation à Abdallah. C'est une fagna, de façon bien entendu romancée. Donc, pour le rôle, les gens l'ont approché. Effectivement, on s'est retrouvés aussi à Paris. Armois, Banas, à Nashville, à Reggae, à Fayaz, moi, j'ai dit, ça s'intéresse. Donc, ça nous a renforcé. Ce qui fait que malgré les aléas de la politique et des divergences d'idées, le bac est dans le Nanya, jusqu'à la fin. Haumaliza. Il y a des régions qui sont exemplaires.
Vous m'avez demandé pourquoi cet atelier, cette initiative. D'abord, l'initiative vient au cadre des jeunes de Rouen qui se sont organisés en comité de lecture, en organisation, disons, un club de lecture. Et ils se sont rendus compte que l'autre face de la lecture, c'est l'écriture. Et comme parmi eux, il y a des gens qui ont publié déjà des textes sous forme de nouvelles ou de romans, de poésie, donc ils ont souhaité avoir des échanges avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience sur justement l'écriture. Donc on est là pour essayer, je ne dirais pas, je ne forme pas, puisque je ne pense pas qu'on puisse former à l'écriture, c'est quelque chose de plus intime, de très personnel. Mais en tout cas, nous allons échanger sur les expériences des uns et des autres, et sur les expériences des aînés vraiment, qui sont les plus réputés dans la littérature française ou française tout court, pour voir comment effectivement on peut se servir de cette expérience pour créer des œuvres littéraires qui puissent intéresser un lectorat assez large qui dépasse les frontières comme nous. Monsieur Bakar, est-ce que vous pouvez citer quelques-uns de parmi les livres que vous avez écrits? Oui, j'ai écrit un premier roman, un récit qui s'appelle Et la graine, qui était un récit sur les événements de mai 68. Mais ici, on a commencé en janvier 68, et qui est une espèce d'épopée des étudiants, des élèves du lycée Zemana Tchèque à l'époque, qui avaient fait une grève assez longue pour protester contre une forme de mépris des journalistes qui avaient commenté un accident d'avion en disant que les Comoriens étaient en train de dépouiller les morts, alors que les gendarmes français étaient en train de sauver les cadavres. Ce qui n'était pas vrai puisqu'on était lycéens et on était à quelques mètres de l'accident. Donc ce roman essaie de relater cet événement. L'autre, ce roman a été écrit d'ailleurs en prison en 83 avec 4 cahiers. Et ensuite j'ai eu la possibilité d'écrire un autre roman qui s'appelle Le bal des mercenaires en 85 lors de mon enfermement à Huadjou pour des raisons politiques puisque j'étais contre la présence des mercenaires aux Comores et avec des amis,
Donc on a formé donc, un parti qui luttait contre ça. Et on a été enfermé pendant 2 ans à peu près. Et là, j'ai eu toute la latitude et le temps de rédiger cet ouvrage, Le Bas des mercenaires, qui retrace la vie des Comores sous cette férule des mercenaires, mais également à travers une histoire d'amour qui plaît beaucoup aux jeunes, même possible. Monsieur Blocker, est-ce que ce genre d'antenne, vous avez appuyé les journaux qui ont des manuscrits ou bien vous allez former des éditeurs de l'avenir pour l'écriture? Je vais terminer d'abord sur les ouvrages que vous m'avez demandé. Donc, l'autre écrit, c'est La Révolte Royale, qui est un recueil de nouvelles, et qui est paru aux éditions A3. Malheureusement, il est épuisé. Ensuite, pour venir à votre question sur qu'est-ce qu'on va faire exactement, j'ai bien dit que je ne vais pas former des gens, puisqu'ils ne sont pas déformés, je ne veux pas les former, mais nous allons échanger sur l'expérience de l'écriture. Ceux qui ont déjà écrit vont nous dire comment ils ont fait. Je leur dirai, moi, ce que je pense de ce qu'ils ont fait. Et puis, nous allons essayer de produire ensemble un texte à partir d'un thème que nous allons définir ensemble et qui aura pour cadre un coma, justement, qui est une cérémonie très prisée à Rémi pour que notre histoire se passe là autour de ça. Mais la province a vous sert de vie. Manage moi ça voit l'objet douane. Manage le manuel mis j'ai demain on m'écrit demain au niveau si ça me dit on m'écrit. Le choix c'est l'objet douane je suis ou on a pas cher des choix. Manage. Il y a un là du camp où on a marché vers le choix. Tu as organisé tout ça. Tu as sollicité. Tu as nous ouvert à travers les relations angouna. Il y a le choix. Donc il fallait un bas ce jour là. Na haraya au na nda bangi na ni tsahir donc yo de handa ya vile yo kamba aruma itarefi yangu yo na tsata ro tu sina lien na wani za unanya za wanzani na fami ba mtina waja wo fami damu yangu ya wani ba donc si bien Sofia na organisation tu ngo fanya ba bon. Donc, na fraha ya ujaharuma yi siwa chanzu wani na mjiwa wani pare jeli inisie mwantongu na mi si tumaini ba njiangina ya nzu wani na zisiwa zonzi zisoshida zirenge mfanu rifanya mauri wa evenema nasional mauri zeskali zafanya pozuzi mshinde mba maikriva walu uharuma inzi wali komunike experience yao harumu wananya wa salia harumu ya masi wa wani Shwe mani wakatu wali yaki wakumoro wakana kwa kuza ngele usumoro wali wakana kwa maika suwami ya hali na tumiti ye azasa wani wakwa sasa wani ye mani kura ini mani wawo uyi mezuri jina wawato dole fikiranti ni harumu waki kwa mani mana to parabasa ni utupara malabungu wana manuskirubira chapas para ini yanda wangia ni kaya inti ya leo wakumoro wangia ni mbukhali li harma lugha zangia wangia Swahili, wangia Sharabu wangia Tashkumori biya kawaji kani maangishi ya handa ya lawa ya debi 19MC ya bahe wa Bazi Selim afanya maangishi akonisa msafara wahi Marusi akotre temba Marusi wa masovaji mana kawaya kwa tini, kwa pindi fete, etc. Donc, il fait un Swahili. J'ai traduit la tienne chez Allemand. Il traduit la en français. Donc, on trouve qu'il y a... C'était en quelle année? C'était au début du 19e siècle. Je ne me rappelle pas de l'année exacte. Voilà, donc, Vassani m'a dit Yangi, en bas, le premier roman. Yangi, on a mon étoile, qui s'appelle La République des Imbèbes. Yo, j'ai fait en bas... Mangishi ya Shkomori, ya Komori, ya Lugha ya Shkomori, ya Shfaransa, ya Ndisa Uvenu. Donc, wanatsa wajinteresi, pasano waiklike ya ruma ya internet, chuparamba vantu kwa bili ya arbaini ta upara sitini, wangi hao. Pasani ya baki de ujua mba, wangi hao, zina mana, au kasi na mana, izo kumazani.
un lit, on est devant un miroir qui nous renvoie, n'est-ce pas, des images de nous-mêmes ou des autres. Et quand on écrit, c'est comme si on passait de l'autre côté du miroir ou de, comment dire, de la télé, si vous voulez, hein, pour être soi-même producteur. Donc, comment faire le lien entre l'écriture et la lecture? Alors, moi, je prends souvent une image que je donne aux enfants et aux gens que je rencontre en disant que la relation entre l'écriture et la lecture, ou plutôt entre la lecture et l'écriture, c'est comme un verre d'eau. Vous remplissez votre verre et puis après, le verre déborde parce qu'il y a un trop plein. Donc, plus vous lisez et plus vous avez envie d'écrire en quelque sorte. Mais il faut maintenant des circonstances qui vous poussent à écrire. Ces circonstances peuvent être déjà facilitées par certaines dispositions, observations, maniement de la langue que vous utilisez pour écrire. Mais ça peut être aussi un choc que vous recevez dans votre vie, dans votre environnement, et qui vous donne envie de vous exprimer. Parce qu'en tant qu'être social, donc l'homme a toujours besoin de communiquer avec les autres. Donc, ce que je dirais pour répondre plus précisément à votre question, c'est que si les jeunes sentent que un Abdou, un Atouman, un Abdallah est produit une œuvre qui a de la valeur, ben, il va se dire pourquoi pas moi. Et il va les lire. Parce qu'avant, quand on parlait de littérature, c'était des blancs, vieux et morts. C'est Victor Hugo, c'est Voltaire, c'est tous ces gens-là qu'on n'avait jamais la chance de toucher ni d'approcher. Donc maintenant que les jeunes ont la chance d'avoir quelques écrivains qui sont là, qui sont bien vivants et qui peuvent parler avec eux, donc je pense qu'ils vont démystifier déjà les livres, l'écriture, et ça va peut-être les rapprocher du livre et leur permettre de lire en toute sérénité sans trop d'angoisse. Voilà, je pense que c'est bien. Par ailleurs, est-ce que c'est un club de lecture qui a pris l'initiative? Donc, qu'est-ce que ce club de lecture fait? Ben, ils lisent d'abord en tant que club de lecture et puis après, ils essaient d'initier les jeunes à la lecture. Donc, dans ce club, il y a des adultes, il y a des femmes, de toutes les métiers, hein, pas forcément des professeurs. Et je crois que samedi matin, nous aurons justement un exemple du travail qu'ils font vis-à-vis de la jeunesse, puisque les jeunes vont venir produire des sketchs, faire aussi la lecture, qu'ils ont déjà mis. Donc ça ne vise pas forcément les jeunes, mais à travers ce club-là, eh bien, les jeunes pourront aussi bénéficier. Mais je vous rappelle que récemment, il y a eu un événement qui s'appelle Escale, nous avons touché les jeunes directement en leur faisant des ateliers dans la classe, à l'Alliance, un peu partout, avec les compteurs. Personnellement, vous-même, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'écriture? Ah ben, ce qui m'a attiré vers l'écriture, c'est tout d'abord des circonstances, parce que moi, j'étais un enfant solitaire, en quelque sorte, et j'habitais un peu loin de la ville. Et là, je passais mon temps à observer la nature, les fourmis, les abeilles, et tout ce petit monde-là, de la broussaille. Et des circonstances également de mon enfance ont fait que j'ai été obligé de quitter mes parents assez jeune pour aller étudier dans notre ville assez éloignée. Et la nostalgie aidant, donc j'étais devenu un rêveur. Je m'imaginais par exemple que les chauves-souris qui passaient, je pouvais leur donner un massage pour ma maman. J'ai dit à ma maman que je me porte bien, etc. Donc, à partir de là, l'imagination a commencé à se développer. Et quand j'étais à l'école, j'étais beaucoup plus grand, j'ai trouvé de l'attirance pour les rédactions, j'écrivais très bien. Et mes professeurs et mes assistants m'ont encouragé à l'écriture. Et mes premiers écrits, c'était sur ce qu'on appelle les cahiers d'amitié. Certainement, votre génération a connu ces cahiers d'amitié, les filles avaient ces cahiers d'amitié, et donnaient aux gens pour écrire. Et moi, il y a deux choses que je détestais dans mon enfance, ma jeunesse, ma prime jeunesse, c'était l'or et les filles.
Donc j'étais misogyne et j'étais horophobe, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, mais j'écrivais quand même, puisque vous ne pouvez pas rejeter, et j'écrivais des poèmes sur leur cahier. Donc de bouche à oreille, ils se sont dit « Ah, il faut voir M. Boubacar, puisqu'il écrit des poèmes. » Donc c'est là où j'ai aiguisé ma plume. Voilà. Et après j'ai pris goût et j'ai écrit. Ben justement, vous avez dit une phrase. Puisque si vous voyez mes deux romans, Le bal des mercenaires, c'est pas du tout de l'imaginaire, où est la graine, n'est-ce pas, qui parle de l'événement 68. Seulement, je pense qu'effectivement, l'imagination peut aider à voir les choses autrement. Donc, c'est quoi l'écriture par rapport au journalisme, l'écriture poétique et l'écriture romanesque? C'est que vous allez rapporter cet événement. Sans l'embellir, on vous dira exactement ce que vous avez vu, ce qu'on a vu. Par contre, si je devais écrire, moi, une nouvelle sur l'atelier, eh bien, je transformerai les choses pour les rendre plus attrayantes, pour les rendre accrochantes, etc., pour que les gens me disent, et là, je ferai appel à mon imagination, hein, en comparant les gens, des personnes, etc. Ouais. Donc, c'est tout à fait ça. Ça, mon amour, où il y a au moins 8 poèmes sur Maurice. Parce que j'ai eu à faire le FIPIA, c'est le Festival International de Poésie Itinérante en Afrique, à Maurice en 2000. Donc j'ai fait un poème sur Malcolm de Chazal, et j'espère que vous serez là pour que je puisse... Au mois de novembre. Ça va être publié en novembre, Michel. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Encore merci, madame. Amenez votre sac, c'est pas important. Je suis le maire,
Kwezi Mwanzanuatu, écrivain à Bakar Seth Salim, Mashababi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kasoto a discours, Amma, si j'ai vu Rochelet Marhaba, Alzina, la Wafiko, Badi Wapanga, de organiser atelier Nefanchihara, où il y a Wata ou Paréléo. J'ai vu Rochelet Marhaba, Andrani, Haipo, Malisha Zamalzani, Memaja, Arvama Fadiani, il est. J'ai rembauché les marhaba, Magnassi, Abakar Seth Salim, Koba, à cadeau formateur à Karwayati. Bravo, aussi mouche les marhaba, à Koufou, au Marbao. Sami Niba, Abakar Seth Salim, avant de s'entendre du pop, par vos bourgeois. Mana, à voir à Bouyahoa. Kabuja na ijima, wafanya hazivani, kakwasubi hita huko. Hazikomba, wasi msami mbaina nafu, na umuzo wanyi saidi ya msomi. Kabuwa umuzo wazmana. Wakujo, toali na mnanchini, ni mtangihao shio, na mnanchini ni mtafanyaota. Angia shio na waisha angihanzi ya mchini, ni mtazudunga ota shinde, shi... Shilawesh, Kenanafu, na wanadamu. Sikimba yoto ulipovu, ikomba arsaiti ya yu. Wakati ikomba waewae takakata na inafasi. Mana ajavan halal hafla apashia markabu. Asla leo halal hafla apashia ote na markabu. Mana te plasi avion, wafande takata na ibi avioni, te plasi avion kako parwana. Vavo akubali apashia markabu, ne aje ajarve msandawu. Ya farzi ha hezu moral wa salam nza se da chadi na kubani ba che ban ta ja ja wa ka to ha dira ko hale akbar a je bani a ja ja afani a afani sa da babo kasna za muni ba ka ti dongo shi ya marhaba zi ti ta da swanya zuri asba. Il fait graini ya ho fanya atelier d'écriture. Ini lawana wanyasi ikomba warsai dia mangravu nede manyasa taladau na manyasi mtamatwahir watu washangilia wodo endrazi pio tawansaha bakari ajevani ajaga ajafanya information wasir samini ba na wadi namna nazurunguwa inanafu formasyo ini inanafu mana inti formasyo ya wanjutu amana namna wala tamu wafikiru maori shile skundisha na tamu nisha kuja vantu haruwa informasyo ni waja wa sume tekniki za rungu amba asisami mba ini formasyo yu nanafu na uvu wa wano mzima mana watu wano forme wabani. Sami va watu ja wata forme wana mujirna kame club de lecture tiani komba yo kavani watu wa vujana wata vani kola kufano jota huku ne wafungi wata unamna matamu aretije unamna matamu angiro wapa sifiki mba nchoguini inanafu harwe jimla ya umuji inanafu harwe usaidi ya msomo harwe aldav na wale hakumalza. Restumaini by Trogoini Kaito Kamale, Formation Fanshi Avani Komovan, Izi Avani. The Restumaini by Trogoini to repeat it to Kababu Nababu, it to Kasuiti, a Formation Ramta Lagua, Kesuiti, it permitted Trogoini Yene Harwal Babu, Yene Harwa Wanamujikova, Nuayul Kode. Il est où à Saïti, à Wamisomiao, à Léo, à Messokango, à Venze, à Zizi, à Moshi, à Mahaba, à Vikoba, à Saïti, à Moussouswad. À Tarachina, à organiser l'atelier. Si Moshi, à Mahaba, à Vikoba, à Alba Flawani, à Saïti, à Mangabu. Si Moshi, à Mahaba, à Monsieur Abdallah Daoud.
Monsieur Damatoyil, Sivouchlia Marahaba, Madame la Commissaire, Sivouchlia Marahaba Isha Macha Apeko, et ami association pour l'éducation et la culture, pour la promotion de l'éducation et de la culture à Wani, Apeko, Ikamba, Yusaïdia, Mangavu, Sivouchlia Marahaba, Détian Doudou, directeur Badran Abdallah. Si vous voulez marhaba monsieur Kombo, c'est Domar, Naïpansu Yahé, Kambarsaïdia, monsieur Mohamed Mouidin. Si vous voulez marhaba Yamawatwani, Kafazalika, na Ouafik, on va Shangiri Aronsi organiser atelier ini, Timpakaror, on va Yamadzina Van. Rika manashka wangu ni rambo inambio na mtoko zini karaka nansi zamtana ala za ukuza kwa inambio tefu kunyishide fanshie titu basi fanshie be irenge ikene jilma ya lazimu na umujwa wanu sivoshu ya marhaba wanamuji wa club de lecture kwa watoja vani mjemua one vani wa mwenye zeni za aktivite za wasufanya halafu mwoshile marhaba kafadhalika mapartisipa mana jeti le wao intogoin ka vuzushi ndaya fanishia sa participa ko jabani asui na ujoni wa kubatma wa kujana ba kitauku sua koshi ya marhaba haivo wa fanya jitia dio wa jele za zamazao ne waja participa wa atelier wa iba ichirma ya lazimu babo si moshi ya marhaba ntengwe hamarangina wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous présenter le texte intitulé « L'arrestation de Bakar » écrit par Aboubakar Seyd Salim, extrait de ma semaine. L'arrestation de Bakar. Ce dimanche-là, Bakar avait corrigé toute l'après-midi. Ce dimanche-là, Bakar avait corrigé toute l'après-midi les copies de ses élèves suite aux compositions du deuxième trimestre. Il s'était couché plus tard que d'habitude avec une légère migraine. Vers 2h du matin, les anges affreux étaient venus. Il avait tiré du lit ainsi que sa jeune femme après avoir presque défoncé la porte du salon. La petite Lisma s'était réveillée et, paradoxalement, n'avait pas peur. Elle avait fixé son regard candide et fasciné sur les mouvements de ces hommes en tenue de combat, des militaires qui renversaient tout, soulevaient les matelas, vidaient les armoires et les tiroirs, éventraient les cartons de l'installe et de vieux bouquins. Aussi, la petite chatte avait accouru elle aussi et avait miaulé doucement lorsque son maître s'était éloigné. Mais notre poignet, encadré par deux solides vieillards de l'agité. Le quartier s'était réveillé, mais personne n'avait osé mettre le nez dehors. À peine quelques pas ou une quinte de taux avait-il trahi la présence des voisins. Personne présent ce que l'on devinait. L'œil collé contre les fentes des portes ou des fenêtres, tous ces souvenirs affluaient maintenant, éclatant de précision dans la mémoire tourmentée de Bakar. Merci. Madame, le tribunal Manatou, Mami Bidhaï. Ce poème intitulé N'oublie pas est un extrait de « Des îles et des jours à venir » écrit par M. Lutfi. N'oublie pas qu'au sein de mon archipel, je cherche sans cesse la porte qui mène vers les champs de nos rêves, oui. N'oublie pas que je suis un mendiant qui tend sa main au milieu des champs funèbres. N'oublie pas qu'avec mon regard vers le ciel vide, d'étoiles, n'oublie pas que je dois crier de tout mon souffle assez de peine comme un enfant qui pleure, la vie m'apprend à chanter. Assez de peine comme la rivière qui descend vers la mer sans souci.
assez de peine que le temps me pousse à interroger mon devenir. Assez de peine, je garde dans moi ta mémoire, dans l'immensité de ma solitude nocturne. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce texte que je vais vous lire est un extrait de la vindique populaire écrit par M. Abdillah Abdallah. Faire comprendre la différence entre la religion et la tradition était le cheval de guerre du Stadi au turban à double queue. Sa vaillance allait jusqu'à montrer que la pratique de la religion était la chose la plus facile du monde, mais que toutes les complications provenaient de la tradition. Les 5 prières par jour correspondaient à la fréquentation de 5 mosquées différentes. Il abordait toujours des thèmes qui semaient des polémiques et qui contrecarraient les ajouts de la tradition à la religion. Nous avons appris de nos parents que lorsque nous perdions un être cher, nous devions tuer des bœufs, cuire des montagnes de riz et faire des gâteaux. Cela n'a rien à voir avec la religion musulmane. Ce ne sont que des dépenses folles. Allah interdit l'ostentation. Le Coran doit nous suffire comme dit. Les ajouts dans la religion sont les clés qui nous ouvriront les portes de l'enfer. Par ces mots, Oustadi au turban a double queue mis le feu au poudre. En effet, les tensions s'élevèrent partout au village, de sorte que les villageois se divisèrent en deux camps diamétralement opposés. Il y avait d'un côté Oustadi au turban à double queue et ses épigones, et de l'autre côté les anciens fondis et leurs disciples. Aucun terrain d'entente n'existait entre ces deux camps. Les anciens fondis qu'on appelait Paraheuri, fondis au livre couleur d'argile, ne supportaient pas les prédications du Stadi au turban à double queue. Ils le considéraient comme un insolent qui ne cherchait qu'à monter les jeunes du village contre leurs parents. Il y avait même des familles qui se déchirèrent et des parents qui bannissaient leurs propres enfants. Nous, patriarches de Basra, nous les fondis de Basra, nous les notables, jusqu'où allons-nous laisser ce prétentieux Oustadi au turban à double que nous ont mené notre enfant, l'enfant que nous avons vu naître, l'enfant que nous avons élevé, l'enfant à qui nous avons fait goûter la parole d'Allah. Maintenant, notre village est brisé en deux. En plus, l'attachement de nos enfants à l'égard de la religion commence à se dégrader. N'oublions pas que grâce à notre chère tradition, nos enfants reçoivent une éducation à 100% musulmane. Grâce à notre chère tradition, nous, les vieux, nous sommes restés musulmans malgré la colonisation française que nous avons connue pendant plusieurs années. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Rahma Idris. J'ai 13 ans. Je suis en classe de 4. Mézil. Ce texte que je veux vous lire, intitulé Mézil, est un extrait de Cri d'ici et d'ailleurs, écrit par Alibi Alam. Mézil. Attaché à Tengalawa, j'admire que vivre dans les bangouins et une maison en feuilles de cocotier, jouxtant une insolente villa, danseur du Chigoma et d'une Gojo, j'aime le Chakiki et le Tchembo, mais je ne suis pas fière de toi, alors que ma fierté, c'est d'être moi. J'ai découvert Laurent, je connais Pénis. J'ai visité Saint-Sébastien, pourtant c'est toi que j'adore. Mais je te prie de crier très fort, sans ménager tes efforts, peu importe le prix. Peut-être nous aurons pitié de toi, peut-être nous exploiterons tes moyens, peut-être nous deviendrons des citoyens, peut-être nous ne serons plus des soins. Merci.
public, bonjour. Ce texte que je vais, ce poème que je vais vous lire, intitulé Maman, est un extrait de la chanson Dans les coulisses, écrit par M. Abdillah Abdal. Maman, toi qui as fait mes études assez peu longtemps, pourquoi brusquement tu m'as tourné le dos avant que je puisse rire comme un fou entre tes bras, avant que je puisse m'enlacer entre tes tendres mains tant espérées. Mais tu m'as quitté trop tôt et pareil à une flèche qui berce ma vie. Je me demande si un fou autre que ça peut faire mal et déboussoler tout un avenir. Perdre l'être qui m'a donné le jour, perdre l'être qui s'est sacrifié pour moi, perdre l'être le plus merveilleux que j'ai connu, c'est perdre le gouvernail de toute mon existence. Si les larmes pourraient quelque chose, j'aurais pu t'avoir ma mère avec moi, moi qui ai quitté les gens de l'école pour te rejoindre. Certes, le temps a fait les douleurs, mais la date du 8 août a assassiné mon cœur. Mais toi, tu n'as pas attendu que je puisse arroser ta vitalité depuis le départ de mon cœur. Tu m'as quitté sans boire de mon nom, chose que j'ai tant rêvée depuis mes temps d'usage. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Naïda Asman, j'ai 13 ans. Ce texte que je vais vous lire est un extrait du débat des mercenaires écrit par Aboubakar Seydani. Connais-tu, oui ou non, le mouvement communiste? Cette question s'adressait à Bakar. Un jeune à moi, au fait, un homme, me tenait solidement par les bras, ramené derrière lui. En face de lui, le lieutenant Rosette de la garde présidentielle confiait ses questions de juif. De coup de poing à l'estomac et de genou au bas ventre. Dans la cave, une ampoule diffusait une lumière jaune pâle qui ajoutait au silence à la roue une note menaçante d'angoisse et de terreur. Le corps du Bakar, épuisé par 3 jours de jeûne, forcé et d'insomnie, percevait la voix de Rosette comme à travers un cauchemar. Son cœur battait à tout rond, ses joues creuses et ses yeux exorbités exprimaient la haine, la peur, la haine et la souffrance. Je vous l'ai déjà dit, je ne connais pas de mouvement communiste, répondit Bakar dans un cœur de rage. Visiblement, il était tabou. Son corps reposait entièrement contre la poitrine du géant noir, la tête pendante. Ça suffit pour ce soir, adjudant. À vos ordres, mon lieutenant. L'adjudant conduit un avocat dans un coin et le jeta littéralement à terre. T'as intérêt à bien réfléchir, mon coco, lança le lieutenant Rosette en se dirigeant vers la porte. Il s'enfuit le raclement d'une barre de fer, les cliquetis d'une chaîne et d'un cadenas que l'on ferme. Les pas lourds et rebrisés de bottes serrées s'éloignaient peu à peu et s'estompaient dans le silence de la nuit. Bakar avait chaud malgré une bouteille de ciment mise du sol. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son large front. La lumière s'y reflétait et couvrait son visage de petits boutons lumineux. La chemise de grosse toile bleue était mouillée et collée à sa peau, désagréablement. Il retira son pantalon de laine, le pliant en 4 sous ses côtes. La tête reposait sur ses mains, juste au-dessus de ses chaussures. Sa cuisse droite se contracta au contact du ciment glacial, pendant qu'une nuit brillante de moustique assiégeait son visage, l'empêchant de dormir malgré son épuisement public. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Naïsa Abdi. J'ai 13 ans. Ce poème que je veux vous lire est intitulé Le paradis est un extrait du langage enfumé écrit par M. Atou. Votez pour mon peuple, votez pour ma famille, votez pour mon parti. Je décrocherai la lune pour éclairer vos cœurs malades. À l'extérieur, je plaiderai pour votre cause. Votez pour mon peuple, votez pour ma famille, votez pour mon parti. N'écoute pas les intellectuels. Ce pays a besoin de moi pour franchir le premier pas d'un enfant. Nous risquons le pleurer la nuit, faute de tétons. Aucun fonctionnaire
parade. Merci. Banda, banda, la mouche, on a mouché, on a mouché, on a mouché, on a na isho shini isho ilwa mtsamdu kashkazi kusi usi shangwana mwamed na mwana rika riparantinzi rija rimidziwa amba haraka haraka be risibashia basavani wantu wantu wararu de wakangamana na bangu Watuzu, zivalizi, sayo, wazitia, harima, gari. Lika gari gatiti, livingao, watu watsangu. Bangu, apashia umbedi, na wasi, rowararu, unyuma. Arene zate na amba, vahatori, ribwavu. Tide, inkondro. De hatari tu banda ya ikondro wana wezi na maravi mafuduli mafahavalu maulide watu watoro wa kushini wao uzia ya magari wao wa watu wa leo magarini pia wawarengea zipesa zao na izundu zao wazivinga pia arambia amba risome zidua rizijuao be wasi karako jua dua itokao yonsi be kwelu maza rako jua kuswali arene zamba alhamdu na zikuru zoncharu yani lekuru wawa na kul aundhu birwa binasi na kul aundhu birwa bilfalak zizo duwa kamwe randisa uzisoma beburhani kako zijua fetepia ligari la kwenda talipara vahangulizia lizini ya matapia au wakoparamba lisenda na ya mata ya zima kayahoma hanguvu mkini lerambili be zizo rizono uri mahamili mwenye akovinga mwenye akovinga ligari amwambia bangu ntongo abuzu na bangu warambia amba rivuku rijiviwa takarajivwa tina vavu vavuevo lirakojopala nsinzi rilala garini ta asubuhi riwasili vahanu vrongo lwao juba leyo tamkwa juba uri juba na jomu vavu madaringia sudani rigenti suku mbili juba kulindra imarkabu ijori vingao Khartoum muji waezi wa sudani iyo markabu beti markabu yendrao harima bahari uri dehatu iyo markabu yendrao harima mro mro uo de mro uri vao uiri wao nili uo de mro uri bavu kabisa dunia masiha uo ulawa lidia la victoria likao amba lilo dia
yangu Afrika ya Mashariki. Voici Charu Zido Amba de Zasikana na Lidzia la Victoria, Tanzania na Kenya na Uganda. Na zizo de zinzi ntaru zari vi razivira rangu rala wa msamu. Je bunga animation ito fanshi hao na mwenyasi ramzani. Mwishina marhaba kayo wanzani participe kwa hii hafla zukifuini. Namsumo mwono kabo sawa moja nanyo na misi msaidia na mbibia piyo kama mwono. Mzama nyangu hane mwajiwa na jonsa iti za mwishina. Miziki jwenye babani, ini miziki wa bashingereza, isi lakua ala patriotismu. Yani uko, mga tuyo patrioti wa uko. Yale mtoko zinga bazinu patriotismu lebe, yedo na uvani. Ako miziki stoki ya mwezi maana zuwa upia. Les éléments de la nature sont déchaînés. Une musique à vous donner la chair
respire comme dans un songe. Déconcertée, paniquée, enveloppée dans sa percale blanche, elle court dans tous les sens, mais elle n'arrive pas à s'échapper de son milieu. Le cimetière l'accapare à la fosse davantage dans sa milieu macabre. À ce moment-là, la ressuscitée s'aperçoit qu'elle porte le costume des morts. Et deux fois avec le ciel. Et par cet engagement, tu as reconnu et attesté que Dieu est ton seul Seigneur et que le jour de la résurrection, tu seras responsable de tes actes et tes excuses n'auront pas de sens. Ce matin, à 2h37min19s, il est arrivé à expiration. Je m'en fous, je veux retourner sur terre auprès de lui. Rendez-moi ma vue, reprenez votre place. Impossible! Dans ton pays, seuls les fonctionnaires d'État ont droit à un second séjour et à notre déontologie nous oblige à taire. Hélas, les contractuels comme toi, c'est un autre cas. D'un moment à l'autre, mon cœur est naquille. Je connaissais tout un homme, mais je n'ai jamais entendu parler.
Mon cas et nature sont les deux âges affectés par Dieu à la surveillance de chaque être vivant dès sa venue au monde. Dieu est clément et miséricordieux. Jamais je ne doutais de ses limites. Aussi, je sais qu'il ne me pardonnera d'avoir négligé ce commandement. Au nom de Dieu, mon cas est naquit dans le constant privé de ta vie. Que me reprochez-vous? Pour l'instant, rien du tout. Cependant, nul ne peut être condamné sans avoir été entendu. Article numéro 1 avec ton contrat avec Dieu. Je n'ai rien fait de mal. Sors-moi dans ce cimetière. Je veux recouvrir ma liberté. Maccabée! Ne m'appelle pas Maccabée. N'aggrave pas ta situation. Pour nous, tu n'es qu'un simple Maccabée parmi tant d'autres. C'est pour cette raison que nous t'envoyons Mikaël et Nabi. Jamais tu ne parlerai à des étrangers. Au royaume des morts, tu n'as plus le droit de garder le silence. Car tout ce que tu ne diras pas sera également retenu contre toi. Toute ma carrière, je menais une existence exemplaire à tout point. Qui parle seul a toujours des yeux. Sache toutefois que nous t'avons créé à partir de poussière et d'eau. Tu ne peux donc pas être exemplaire. Et si nous t'avons ensuite insufflé la vie et insufflé à notre image, c'est pour que tu sois respectueux et droit en tête. Toi-même, les tiens et le reste de l'humanité. Notre équipe de reporters, Anissina et Ndogo. Non, nos envoyeurs pressent mon cas et la vie, ton survie jour et nuit. Pourquoi des clandestins que je n'ai jamais vus? Eux, je ne connais même pas, ça me dirait-il à m'espionner. Mon car et Nakir ne sont pas des clandestins, ce sont des anges. Ils ont des passeports internationaux. Et contrairement à ces petits despotes africains, à ces pro-américains qui espionnent les petits despotes africains et asiatiques pour le compte de démocratie occidentale, leur tâche consistait seconde après seconde à consigner seconde après seconde toutes les péripéties de ton existence dans ce document ultra confidentiel conformément au grand livre du destin. Vous bluffez, les âges ne bluffent jamais. D'ailleurs, mon cas est inclus ton suivi dans ton intimité le plus absolue, aux toilettes, à la douche et au lit. Je proteste devant Dieu, c'est une antenne très grave à la vie privée des gens. Même les renseignements généraux ne sont pas aussi stupides et dignes. Mon Dieu, faites quelque chose, je suis innocent. Innocent? Si nous devions te juger également sur ce que tes yeux ont vu, ta langue a dit, ton nez a senti, tes oreilles ont entendu et tes mains ont touché. Maliki Nas t'enfermerait à jamais dans le brasier le plus incandescent de la GN. Tu as donc intérêt à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité à mon cœur et Nakir, sans omettre la moindre virgule. À Mayotte, j'ai vécu un islam adapté aux spécificités et aux réalités franco-mahoraises. Pensez-vous que ça serait aller à la rencontre de la religion? Mon opinion personnelle est irrécevable devant le Tout-Puissant Céleste. Depuis la création de l'univers, nous vous avons envoyé des signes, vous n'y avez pas cru. Nous vous avons envoyé des prophètes pour vous amener sur le droit chemin. Vous les avez traités de menteurs, d'usurpateurs et de calomniateurs. Vous les avez pourchassés de leur pays. Mon Dieu, dites-le que je ne suis pour rien. Souviens-toi de Noé, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi de Moïse, souviens-toi de Jésus, souviens-toi de Gogh et de Van Gogh, souviens-toi de Saint-Domingue au Comore. Je n'existais pas autant de prophètes. Dans ce cas, rappelle-toi les 10 commandements de Dieu avec Charlton Heston. Je n'ai jamais vu ce film, je vous le jure, vous pouvez me croire sur parole. Nous vous avons également envoyé le Talmud, le Torah et par-dessus tout le Coran. L'ignorance est-elle une circonstance atténuante? Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Les gens du livre l'ont dit. Tous ceux qui obéissent à Satan le prouvent, le placent le plus au paradis. Satan? Qui est Satan? Je ne le connais pas. Ce n'est pas mon ami, ni un membre de ma famille. Djibril! Djibril! Écoute-moi! Djibril, t'en vas pas. Oh, oh, oh.
Je suis assez dit,
jeunesse, il y a un seigneur, moi je vois que c'est jeunesse, nous avons une fania avec fierté et avec plaisir. Il y a une fania, il y a une fania, il y a une fania, on joue en Guinée. Namishangina, alors comme le Kamini, ou les mêmes fans, ou les Tadji, et à Makato Wani, à Jeunesse Wani, à Asse Wani, à Wazade, Paré, et Culture Yatou, et Kembeli. À Omanizati, je vois Sofana, ou animatrice, et à Kavani, Asoma, Chio, Chan, Angiva Chomol. Nayo, selon ma baba, on a dit que Pierre Chomol, mais il sonnait ça là-bas. Baloua Yatou, il y a Tadjiri, où je suis exprimé ses sentiments. Nazi Tobia, comme Azou, voici exprimé à moi, Zao, Louha, wassalamu alaikum. Marhaban, Bandaradunga, il discours à tout. Na Batu, Abakas et Salim, je me dis, il n'a pas déjà tout à faire. سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى المختار أدعي إلى الحطي وإلى سورة المستقيم الفاتحة ما إلى أروى مذكر عثمان وعلي ومسينة المسجد وفي الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسن وسيدنا جميع الصحابة وفي الله أجمعين الفاتحة آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم استحفظك أديانا وأموالنا وأهلنا وأنفسنا وكل شيطان وكل شيطان أعطيتنا اللهم اجعلنا إياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك وكل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بحر ومن شر ذي كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جعلنا بالعافية والسلامة وأعطنا من تقوى الاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة إنك أنت السميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأنفسنا وإخواننا وجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومعلمنا وأصحابنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا أولادنا اللهم احفظنا أولادنا اللهم احفظنا أولادنا وانصرنا القوم الظالمين وانصرنا القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله